касается вывоза на украинского зерна, мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна. Первый, пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Ну, прежде всего, это Черноморского бассейна, Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам. Ну, пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста. Они должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены для того, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, и мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, там, скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал. Это первое. Второе. Существует другая возможность. Да? Порты Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить без проблем. Coucou tout le monde, donc on va regarder ce qu'on peut nous dire sur Vladimir. Donc je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour voir. On verra si ça nous dit pas mal de choses. Je vous montre le paquet. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Poutine, est-ce qu'il est vraiment malade? Est-ce qu'il a une grave maladie? Poutine est gravement malade. Ah. Donc, on nous parle de montagne. Donc, c'est des efforts. Il y a un bloc, il y a un obstacle qu'il faut qu'il faut qu'il soit surmonté, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à la maladie de Poutine? Alors, on a la tour et on a le 19. Donc, on nous dit que... Donc, ça, c'est les administrations aussi, mais là... On nous dit qu'il s'isole. On nous dit que c'est quelqu'un qui a du pouvoir et de l'influence. Donc on nous dit qu'il s'isole, il fait attention à lui. Il sait ce qu'il en est. Mais on a l'encre. Ça représente son travail, mais la stabilité aussi. Donc on nous dit que pour le moment, au niveau de sa maladie, c'est stable. Hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va recouvrir l'obstacle. Ouais. L'obstacle, donc on a le 20. Le 20, c'est... Le 20, c'est le peuple aussi. Hein. Donc on nous dit qu'on s'occupe de lui hein, face à ces obstacles-là. Parce que ça peut être aussi l'hôpital, selon la question posée. Donc, on nous dit qu'on s'occupe de lui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la tour? On a le 11. «
Bon, on nous dit qu'il n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on peut lui dire, mais c'est lié sûrement aussi avec ce qui se passe pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'encre? Il est ancré sur ce qu'il veut faire. Il veille sur ses moutons, hein. C'est le berger qui... Donc, il veille. C'est la carte 32. Hein. Il veille sur le succès. Hein. Il est ancré. C'est vraiment ce qu'il fait. Hein. Et c'est son âme. Hein, il est vraiment ancré. Il veille vraiment sur tout le monde. Il a une grande réussite à venir. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à sa maladie? Non, il va avoir des nouvelles par rapport à sa maladie. Donc, il va recevoir des nouvelles concernant sa santé, ce qui l'embête. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, on parle bien de lui, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on en a plusieurs qui sont tombés, j'avais même pas vu. Donc, on a la cigogne et le 26. Moi, le 17 et le 26. Donc, on nous parle d'un changement qui arrivera. Hein. Il y a quelque chose qui est caché, pour le moment, qui n'est pas dit par rapport à un changement qui viendra. Donc pour moi, ça ne sera pas dévoilé. Ça indique aussi des connaissances ou un contrat. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus. On nous dit qu'il y aura le soleil quand même. Ah oui, c'est un homme fort. Malgré les choses qui se disent. On a encore l'étoile, donc c'est la réussite sur les commérages. Bon, on verra par la suite. Hein. Je vais quand même compléter avec le murmure de Ganesh, voir ce qu'on peut nous dire sur la maladie de Poupou. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la maladie de Poutine? Bon, pour le moment, c'est un beau tirage quand même. Hein. Bon, oui, effectivement, il a quelque chose. Hein. Donc, on nous dit qu'il pratique la spiritualité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur sa maladie?
se sert de son intuition. Quoi d'autre? Bon, celle-là, elle veut venir. Hein. Révélation, oui, ben là, on nous parlait aussi de révélation. Hein. Il y aura des révélations. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, là, il a gonflé, il prend peut-être de la cortisone. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à sa maladie? Raffinement. Bon, il prend ça avec, avec tranquillité. Mais il a des priorités. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur sa maladie? J'arrêterai là. Il est guidé. Voilà. Donc, je ne m'inquiète pas pour le moment. Je vais quand même poser une dernière question avec l'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Roman. Est-ce que Poutine est gravement en danger dû à sa maladie? On nous parle de cadeaux. Donc peut-être que ce qui lui arrive, c'est bénéfique pour lui. Ok. Quoi le cadeau? Il va lui arriver quelque chose de grave? Il va nous quitter, Poupou? Il va nous quitter, Poutine? On a le cadeau avec le serpent. Alors là... Ouais, il est trahi. Il a été trahi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'il va nous quitter bientôt ou pas? Ou est-ce qu'il va finir le travail et vivre longtemps? Une carte pour nous expliquer vite fait. Bon, c'est la clé et l'arbre de vie. Donc... Oui, il a des troubles de la santé, mais je vais utiliser l'oracle de la triade, parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur Poutine, son état de santé? Donc on nous dit qu'il y a quand même du mensonge là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc il a bien quelque chose. Il est quitté. Ouais, mais il se fait soigner. Est-ce que... qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au serpent? Bon, mais il a quand même la bénédiction et l'arbre de vie, donc... est-ce que Poutine va s'en sortir? C'est celle-là qui a volé. Vous voyez, ça fait référence au serpent. C'est ses adversaires aussi qui lui ont fait sûrement les choses. Est-ce que Poutine va s'en sortir? La naissance, elle est retournée. Pourquoi la naissance s'est retournée? Le pardon. Donc, il va alors pardonner.
pardonner le mal qu'ils lui font. Ouais, c'est ça. Hein. Il va pardonner le mal qu'ils lui font. Fin de querelle, trêve. Mais est-ce qu'il va nous quitter pour est-ce qu'il va y arriver quelque chose de grave au niveau de sa santé? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir, Poutine? Son âme. Ça fait deux fois que l'âme elle sort. Hein. C'est vraiment quelqu'un de spirituel. Hein. Il est enraciné, on nous l'avait dit au début. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a une ouverture. Ouais, il peut s'en sortir. Hein. Mais il a encore du voyage à faire, ok. Le contrat. Elle a volé celle-là. L'oméga. Donc l'oméga, c'est l'aboutissement, la fin de cycle. Accomplissement, oui, c'est pour ça que la naissance, elle était retournée. Parce que c'est un achèvement. Ok. Bon. On va pas répondre. Est-ce que Poutine va mourir suite à sa maladie? Ouf. Il lui faut du temps, de la sagesse, de l'amour et initiation. Bon, donc il y a peut-être des mauvaises choses derrière, mais c'est initiatique. Il devait en passer par là, peut-être. C'est peut-être ce qui le rend plus fort. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On est le 7. J'essaierai de poster la vidéo prochainement, hein, dans le courant du mois de juin. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao.